Salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, j'éclate de rire avant la vidéo, parce qu'il faut que je vous explique un truc. C'est que quand je devais faire cette vidéo-là, enfin, à l'instant, il s'est avéré que j'ai fait en live et que mon micro était désactivé. Donc forcément, après la partie, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais regarder de nouveau mon petit live, etc. En plus, il était bien, il était cool. Et en fait, je revois mon live et puis je dis, mais mec, pourquoi on n'entend pas ma voix? Et en fait, mon micro était désactivé. Voilà, il était désactivé pendant 12 minutes. Donc génial, génial. Enfin bref, les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour un déblocage du camouflage diamant en une seule game. Je vais pas parler énormément du gameplay, mais plutôt une comparaison entre les différents camouflages et qu'est-ce que j'en pense. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça tu pourras voir toute la game, etc. Et justement, quand je débloque le camouflage diamant avec 6 des 7 fusils d'assaut. Alors pourquoi je dis 7? Parce que de toute façon, là, je suis en train de vous montrer que justement, à la manoir, il me manquait quelques petits éléments et il m'en manquait pas un, en fait, pour la M8, étant donné que la M8, c'est l'arme que je surkiffe le plus sur Call of Duty Black Ops 3 et c'est l'arme auquel j'ai le plus joué, que j'ai le plus tryhard, hein, parce que les gens qui disent « Ouais, toi, tu tryhard énormément manoir », j'en ai vu quelques-uns dans les commentaires de ma dernière vidéo. Sachez que, lorsque je vais vous montrer mon petit rapport de combat, que la manoir, j'ai incité personne d'y jouer, peut-être la M8, etc., parce que, étant donné que les deux armes auxquelles j'ai plus joué sur Call of Duty ne font pas partie, normalement, du top des performeurs, hein, M8 et Razorback. Bon, Razorback peut-être pour le hardcore, mais étant donné que j'ai beaucoup lâché le hardcore pour le corps, bah... Voilà, c'est vraiment des armes auxquelles j'ai beaucoup joué et que je surkiffe la M8, voilà. Même si je préfère la M8 de Black Ops 2, c'est une arme que j'adore et c'est une arme que, voilà, qui force le shoot, qui force vraiment niveau du shoot. Niveau déblocage, justement, je vais devoir débloquer la KN44, la Manoir, la XR2, la HVK, l'ICR et la Sheiva. Ça m'a pris, je déconne pas, entre mes révisions d'examen et tout, ça m'a pris genre un petit week-end, voilà, un petit week-end dès que j'avais du temps, etc. Donc n'hésitez pas de défoncer la barre des likes, ça me fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas également de vous abonner si vous êtes nouveau, oui, étant donné que l'objectif étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week. Donc n'hésitez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau, vous serez très bien accueilli par la Tryhard Army, etc. Ah oui, il y a encore quelques personnes qui me posent la question, comment on a le logo Tryhard Army? Je vous le remettrai dans la description, n'hésitez pas à le prendre, voilà, à faire partie de la Tryhard Army. Et surtout, il y a quelques petits points, pas d'insultes envers les autres youtubeurs, ça j'avais vu que justement ma communauté, elle est vraiment très bien là-dessus, pas d'insultes. J'ai vu des personnes qui étaient sur les lives d'Othergun, certains qui avaient justement fait des screens sur les lives de la Sigma, etc. et qui n'étaient pas là en mode insulte, qui étaient contents, etc., qui passaient un bon moment. Donc ça fait extrêmement plaisir, j'ai une communauté fidèle et j'ai une bonne communauté et j'en suis fier et je vous remercie encore une fois parce que ça fait grave plaisir. Et deuxième, bien évidemment, être voilà, fidèle par rapport à ce que je fais, bien évidemment, hein. Je pense que c'est le strict minimum par rapport à ma chaîne, etc. Donc représenter la Tryhard Army, que ça soit sur YouTube, ça soit partout, même dans la vraie vie, tu peux tryhard, mon pote. On va tryhard partout, même ta meuf, tu vas la tryhard, mon pote. Enfin bref, tu m'as compris, t'as compris le délire qu'on a avec les tryhards et tout. Et également, voilà, là j'ai bien tryhard le camouflage pour avoir, là justement vous voyez que petit à petit je m'amuse à débloquer tous les camouflages sur toutes les armes et que à la dernière seconde j'ai gagné la game. En plus vous avez rendu compte que je suis arrivé en plein milieu d'une game, je crois que c'était à 6 ou 7 points et que forcément chaque fois faire un kill, mourir, bah c'est une perte de temps et que forcément des fois c'est, on va dire, assez compliqué de rester dans le but de la vidéo, de gagner aussi quand même, hein. Ça c'est vrai que c'était quand même assez compliqué à la fin, j'ai donc pris la Razorback. Ce que je voulais également savoir, c'est que lors de la semaine prochaine, est-ce que vous voulez que je vous fasse la même chose avec les SMG en mêlée générale ou est-ce que vous voulez que je claque la nucléaire avec une SMG et tout simplement je vous débloque le camouflage diamant lors de cette game-là. Je pense que ça serait quand même assez intéressant, même si niveau Dark Meter, j'ai déjà une petite idée en tête, une super idée en tête, comment je vais débloquer le Dark Meter, mais ça serait quand même assez intéressant que je sache votre avis là-dessus si vous voulez que je m'amuse à vous débloquer le camouflage diamant sur mitraillette en domination avec des potes, etc. Je claque la nucléaire et puis je vous balance tout ça en live. Cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de micro. Cette fois-ci, je vais mettre 5 minutes avant. Je vais même faire de l'échauffement et tout. Là, vous voyez le gros turn qui s'est pris, le pauvre. Ah, c'était méchant. Enfin, bref. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo-là, comme ça, vous intéresse. Niveau camouflage, alors le niveau camouflage du diamant, moi je le trouve beau sur Black Ops 3, je le trouve beau. Il n'est pas exceptionnel, parce que pour moi, vraiment, le camouflage exceptionnel en diamant,
C'est celui de Black Ops 2. Celui de Black Ops 2, je le trouve magnifique. Je crois que justement, ça doit être un des seuls auxquels j'ai vraiment, vraiment tryhard pour avoir un super camouflage à peu près partout, autant que ce soit sur les SMG, etc. Parce que le camouflage diamant, je le trouvais mais magnifique. Et je m'étais forcé à l'époque. Et puis là, c'est vrai que celui de Black Ops 3 est quand même joli. Hein. Je dis pas qu'il est moche. Il est vraiment joli. Mais par contre, pour ceux qui me suivent pour du Infinite Warfare et les potes, soyons francs. Lors de la première mise à jour, le camouflage diamant, il n'était pas exceptionnel. Mais lors de la deuxième mise à jour, il est dégueulasse. Soyons francs, 5 minutes. On en a déjà parlé la dernière fois avec le Dark Matter, même si le Dark Matter sur Infinite Warfare est beau. Hein. Je dis pas qu'il est moche. Non, il est beau. Mais le camouflage diamant sur Infinite Warfare, pour moi, c'est une insulte totale. Le mec, il a juste posé quelques trucs, tac, tac. T'as l'impression que c'est un carbone en mal foutu. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et puis, niveau camouflage, alors comme je vous ai dit, franchement, je vous respecte parce que moi personnellement, ça m'a quand même cassé les couilles. Franchement, le problème c'est que, tu vois, je suis un tryhard. Je l'assume. Je suis un bon tryhard. Hein. Je vais pas dire le mec qui va camper pour obtenir ça, etc., etc. Non, moi, je suis un tryhard du jeu. Je vais défoncer le jeu pas en question négative. Ça veut dire que je vais vraiment rusher et tout, etc. Le but, je vais tryhard les nucléaires parce que le but, c'est ça. C'est mon but. C'est vraiment la nucléaire et tout. Que je vous propose un gameplay. Ça a toujours été ainsi sur ma chaîne. Mais le truc, c'est que on peut pas, on va dire, s'amuser à faire un camouflage et tryhard de côté. C'est vrai qu'à un moment donné, deux ou trois fois, je voulais vraiment me mettre, genre, quand je tombais sur des accueils genre de psychopathes, hein, je tombais dans des accueils de psychopathes avec Ghost, et on se disait, mais putain, ça fait chier que je dois m'occuper de faire mes petits trucs, genre camouflage et tout, etc. Lorsque j'ai moyen, franchement, il y avait des moments où il y avait moyen de claquer une double, voire une triple nucléaire, et j'étais là en mode what the fuck et tout, et j'étais là dans ma tête, non, mais occupe-toi du camouflage, parce que me connaissant, si je tombe dans un accueil, je vais rester genre une heure dans le même accueil, parce que les mecs n'ont certainement pas rage quitté, et s'ils rage quittent pas, je vais tenter de mettre de la nucléaire, et sinon je perds du temps, etc., etc., sachant que j'ai pas beaucoup de temps. Donc forcément, c'était pas quelque chose de super, super. Par contre, j'ai une nucléaire lorsque je débloque le camouflage pour pouvoir accéder en or avec avec la manoir. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait quand même assez intéressant en fait de voir à quel point en fait on peut être dépendant des accessoires et des atouts. C'était avec Ghost, si je dis pas de bêtises. Ouais, je jouais à la manoir en fait sans atout, et en fait j'avais plus de munitions, j'aurais pu carrément leur mettre la double, et puis quand j'avais terminé en fait ce qu'il fallait faire, bah j'ai tout de suite décidé de jouer avec ma manoir normalement, et je leur ai claqué la nucléaire d'une telle facilité. C'était sur Nuketown, etc. Ouais, bon, je vois déjà les personnes, oh, directement manoir, etc. Bon, bah j'étais dans le délire de jouer avec la manoir, donc forcément je l'avais dans les mains. Je me suis dit, tiens, je vais jouer cette fois-ci avec l'ensemble de ma classe, ma globalité de la classe concernant là-dessus. Enfin bref, ça commence à être à la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir justement que j'ai pu tout débloquer. N'hésitez pas à déposer un maximum de likes, cela me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas également de partager cette vidéo partout sur les réseaux sociaux, tant que ça soit sur Twitter, sur Facebook, etc. N'hésitez pas de m'arrobase également sur Twitter en mettant le lien de la vidéo, je vous RT. Et je pense que je followerai les 5 premières personnes qui le feront le plus rapidement que possible. Voilà, on va dire que j'essaye de rester avec les personnes les plus fidèles, voilà, ceux qui sont fidèles, de les récompenser, etc. Et je pense que ça serait quand même un super truc là-dessus. Enfin bref, c'est les gens, c'est la fin de cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin comment je gagne cette magnifique mêlée générale. C'était Loctet 2. Peace out.